Salut Bissarme, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve à Hautrotte pour une nouvelle vidéo sur le chemin de fer Hautrotte-Rosheim. Donc, comme dit, on est à Hautrotte. Donc, j'ai pu découvrir à l'instant qu'ils ont taillé toutes les voies qui sont à Hautrotte. Et devant vous, on peut y découvrir donc la pompe à eau, fraîchement enlevée de ses ronces. Pompe à eau qui est d'ailleurs fendue. On a encore la manivelle pour l'actionner. On a à gauche un levier d'aiguillage, aiguillage qui doit certainement fonctionner encore. C'est un endroit magnifique. Donc à droite, on a le garage de locaux avec les bureaux. Donc attention, ce n'est pas le bâtiment voyageur, c'est bien le garage de locaux avec des bureaux. Vous allez le voir dans quelques instants. Voilà, donc à gauche, vous avez les deux portes pour faire entrer les locaux, qui sont actuellement inaccessibles à cause de la construction de logements sur les voies. Oui, c'est un peu bizarre. Là, à gauche, on a une partie de l'ancien quai. C'est assez difficile de distinguer ce qu'il y a maintenant par rapport aux photos anciennes, parce que la végétation et la terre s'est emparée des rails. Moi, à droite, on a une structure de pont. Enfin, on pense que c'est une structure de pont. Et là, on a la belle balance. Balance qui fonctionne encore. Oui, le système est encore opérationnel. Sacré monument historique cette balance. Et donc à gauche, on a encore une voie. Ça c'est la voie qui partait pour donc les garages à locaux. Vous voyez là-bas l'axe, on voit au bout le garage à locaux. Donc il devait encore y avoir un aiguillage au niveau des maisons actuelles pour les deux garages. Voilà, ça c'est une voie qui est un peu en retrait. Donc Hautrotte était sûrement une gare importante à l'époque. Voilà. Donc niveau voie, je pense qu'on peut en dénombrer actuellement une, deux, trois. Actuellement, il y a encore trois voies, mais je pense que dans le temps, il y en avoir beaucoup plus. Vous voyez, il y a un quai à gauche. Je pense qu'à gauche, on peut encore mettre deux voies. Donc il y a d'ailleurs à tout casser 5-6 voies à Hautrotte. Donc c'était vraiment toute la surface que vous êtes devant vous là, c'était rempli de voies. Donc imaginez à l'époque ce que ça pouvait faire. Voilà. Voilà les amis, on va se quitter sur cette belle vue. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle découverte sur les lignes de Hautrotte-Rosheim. Hop là, salut Bissarme, peace bolt.